Nous sommes le lundi 18 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'infos. L'équipe de transition de Trump établit une liste d'officiers militaires américains, actuels et anciens, qui ont été directement impliqués dans le retrait d'Afghanistan, susceptibles d'être traduits en cour martiale. Un travailleur social de l'UNRWA a pris mon fils en otage, c'est vraiment dégoûtant. Ayelet Samerano a vu son fils Jonathan pour la dernière fois dans une vidéo publiée par le Hamas, mais on ne sait pas si le jeune homme de 21 ans est mort ou vivant. Les lignes rouges changeantes dans le soutien de l'Occident à l'Ukraine permettent désormais des frappes en profondeur en Russie, en réponse au déploiement de troupes nord-coréennes à Koursk. D'éminentes figures de l'opposition russe ont mené une marche d'au moins 1000 personnes dans le centre de Berlin, critiquant le président russe Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine et appelant à une démocratie en Russie. Des millions de Suédois commenceront à recevoir des exemplaires d'une brochure conseillant à la population comment se préparer et faire face en cas de guerre. Israël tue le directeur des médias du Hezbollah, devenu le visage du groupe terroriste. Mohamed Alif meurt dans un bombardement visant des sites terroristes dans la banlieue sud de Beyrouth. Près de 1500 morts lors de manifestations au Bangladesh qui ont renversé la première ministre Hasina. Des troupes japonaises s'entraînent désormais avec des militaires australiens et américains à Darwin. C'était une aiguille dans une botte d'infos et je vous dis à bientôt.